un peu beaucoup d'actualité, Zohodi, excuse-moi. Et pour nous terminer, Fidel Castro. Premier point, sa rentrée parlementaire qui nous trouvait après des mois de vacances parlementaires, ce qui n'arrivait ni sans précédent. Mon feuillette l'histoire et autant qu'il me trouvait sans précédent qui, après des mois de congé parlementaire, Parlement Zouen et le Premier ministre en poste, pas présent au pays, pas présent dans le Parlement. Adding insult to injury, comme dit l'anglais, la semaine suivante, deuxième séance de Parlement, 10 ministres absents du pays. Ça aussi, sans précédent. Et là, quand nous guettons l'ordre du jour pour mardi, mercredi prochain, trouver qu'ils ont pressé pour finir pour aller en vacances. Dans notre body language, dans notre façon de faire, dans notre façon fixée, travail là, trouver qu'ils n'apprécient pas combien de mois de vacances, ils ont pressé pour réal et en vacances. C'est pourquoi je te fais plus que dans le passé qu'on produit d'une façon inacceptable au Parlement. Mardi prochain, une la loi aussi importante qui permet à ban policier de former un syndicat. Mardi, vini, first, second, third reading. Un seul coup. Ce qui, naturellement, empêche nous d'avoir une consultation qui, normalement, nous utilisons une art être reposée avec tout le monde qui est intéressé. Ban syndicat, mais ban l'association de policiers aussi. C'est inacceptable. M'aurait dit, first, second, third, reading, un seul coup, l'aurait la loi comme ça. Nous, c'est dans le bureau politique lundi, parce que maintenant qu'ils nous gagnent, ils ont dit qu'ils nous gagnent le texte de loi, c'est dans le bureau politique lundi qui nous pour fine-tune, parce qu'il y en a certaines quelque chose qui nous faisaient guette de près dans la loi là, avant de nous prendre position dans le Parlement mardi. Évidemment, qui, tout le monde en faveur. Tout le monde en faveur qui, un policier gagne le droit syndic, pour le moment, je tenais l'association qui pas faire grand-chose, mais il y a certains aspects de la loi-là qui lundi, qui nous pour discuter dans nos bureaux politiques. Et pareillement, il y a, dès la loi qui circulait, le Prevention of Terrorism Amendment Bill, ou amendement POTA, la loi antiterroriste, et un amendement constitutionnel qui lié à ça, qui lié avec le terrorisme, Pape prend mardi, mais il est far-reaching. Il y a bien loin, ça, dès la loi-là, comme être autres ensemble. C'est pourquoi le MMM invite ban homme de loi, ban légiste, mais aussi ban NGOs à exprimer notre opinion, à étudier d'abord et à exprimer notre opinion lors de deux textes de loi, amendement à Prevention of Terrorism Act et amendement à la constitution de Maurice pour combattre le terrorisme. Troisième remarque que je voulais faire, c'est la latitude. Il est absent, première semaine, le Premier ministre, deuxième semaine, il est là, il répond NPNQ, la drogue et la police. Choquant, ce performance, ça joue là, ce latitude. Je vais l'autre mot qui est choquant, à part effrayant. Vrai même quand je dis à mon père pour ce pays-là, quand je dis performance, Premier ministre, Lorraine Sujet, comment la drogue est. La police. Il est choquant, mais il est effrayant en même temps. Il ne va pas répondre non à rien.
Il n'est pas au courant de quoi que ce soit. Il est dans les airs complètement. Il est commissaire de police. Commissaire de police, même pas là. Sous Bolom Ramgoulam, même sous Grasson Ramgoulam, sous Anirud Jagnat avant, et où là? Il n'est pas répondu à aucune question. Tout n'est pas connu. Vous n'avez pas intéressé, prends ça là, les airs, dépassé complètement, ni au courant de rien, ni bien, bien, et le commissaire de police là aussi, hein, n'est pas au courant de quoi que ce soit, tous ceux qui sont timisins connaissent, autres pas connaissent, ou bien j'ai pas envie de connaître, et on arrive une l'eau là, il est effrayant, et il est très malsain quand un pays il arrive sa stade. Alors, en ce qui concerne la drogue et la police, clairement, je répète ce qu'ils m'ont dit dans le Parlement, clairement, il y a un failure total d'intelligence. En général, hein, l'eau maison de jeu à Rempart et l'amour dans prison, top security du policier qui nous connaît, en ce qui concerne la côte ouest, et trafic l'eau Madagascar. Clair, il y a un failure total de intelligence. Mais moi, plus loin, l'éclair qui n'est pas un pays nazi, c'est un failure d'intelligence. Mais je ne sais pas où les connaît aussi. Il y a une volonté de rien savoir, supposé. L'eau, tout ça, dans le trafic de drogue là, mais aussi. On a une volonté de ne pas enquêter, de ne pas savoir en ce qui concerne certaines complicités. On ne peut pas dire tout la police coupable, on ne peut pas dire tout chef la police coupable. Nous avons bon chef la police. Nous avons une majorité de bons policiers. Mais nous avons dans toutes ces affaires-là, pour que la police arrive quand nous arrivons, pour que la drogue arrive quand nous arrivons, il y en a certaines complicités très haut placées. Et l'impression que j'ai c'est que le Premier ministre et commissaire de police, pas les mêmes, c'est iconé. C'est pourquoi me dire, il est effrayant, mon bien payé pour l'île Maurice, il est effrayant concernant la drogue et la police qu'un pays il arrive à sa stade. Quatrième point, moi aussi, nous tous, le pays tout entier, ben, je ne suis tout choqué par ce qui peut arriver côté Boscalis. Qui peut continuer à arriver. Ça vous demande tout à là, ce qui gouvernement peut faire, ce qui je peux essayer de faire pour tirer dans sa caisse, pour faire sa caisse Boscalis là, foiré. Je te l'espoir, l'éclair. Ben, Hollandais, il finit de dire combien casse il donnait tout. L'éclair qui peut traîner les choses, qui peut. Le but, c'est ça, il dégoûte. Ben représentant de la Hollande, je t'allais. Il est révoltant. Et il n'est pas nouveau, ça. Et ça même. Bouk qui, Pravin Jagnat, amène lui pour rencontre maudit dans l'Inde, premier ministre de l'Inde. Amène Mantoura à lui. Il est choquant. Mais ça, tu peux aller, faux. Affaire Boscalis, Mantoura. Là, qu'est-ce et à Mauritius. Et voilà, nous tout connaît qui n'arrivait dans et à Mauritius. Nous tout connaît qui ne débarrasse mec pilé parce qu'il n'est pas si voulait refaire tout ce qui clan Pravin Jagnat et le chairperson qui peut dire l'y faire, qui voulait l'y faire. Nous connaissons qui brutalité. Une dismiss mec pilé. Mais au moins, dans le Parlement, l'État m'a posé une PNQ le 15 novembre. Anirud Jagnat parti là. Et donc, c'est Duval qui t'y répond. Dis bon. Je te rappelle qu'il est hier. L'État nous peut appuyer, lui dire. Mais donne la sens. Comité disciplinaire, un bouc comme André Robert, est-ce que tout ça, un coup. On va pleurer quand il dit là.
Donne-moi une minute. Ah. En tous les cas, il te dit carré-carré, mais donne la chance au comité disciplinaire, présidé par un signor, il te dit. Comment un respecté de signor. Ça, mais là, qu'il est pour dire à ce là là. Pas autre manière à faire, et mettre André Robert, et bah, c'est tous les deux une préférée de tirer. On monte pour Dival. Et moi, je suppose qu'il y a encore un perrot de copie à Zenda. Il y a une menti dans le Parlement. Il me dit, tiens, en la Zenda, quand il convoque une réunion aussi, aussi grave que ça, avec un et de temps 12 minutes de préavis. Il y a une menti, il y a une faire quoi qui tiens à la Zenda. Pas tiens à la Zenda, il est introuvable jusqu'à présent. Mais ça, ça fait à Boscalis et à Mauritius, là. Mais ça aime assez pour disqualifier Pravin Jagnat d'être Premier ministre à jamais. Avant dernier point, Rodrigue. Là aussi, il est vraiment choquant. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore une copie. De ban la loi, de ban amendement, dans la loi de Rodrigue, le Rodrigue's Regional Assembly Act, nous, nous ban députés, nous qui pouvons amendre ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous pas encore gagné une copie. De ban amendement qui peut demander l'Assemblée régionale de Rodrigue approuver. C'est un manque de respect vis-à-vis du Parlement. Bon, là, l'éclair. Une bien fanée, surtout Duval, enfin Jagnat aussi, une bien fanée. Là, Xavier Duval, il montre qu'il est bien fanée. Alors, ça va, nouveau amendement, là, il est clair que c'est un deal. C'est un deal gouvernement. Maurice et l'OPR. Ben, les autres pas d'accord du tout. Il y a une grosse colère à Rodrigue. Dans la façon faire aussi, pas juste sur le fond, mais dans le manque de respect, le manque de considération pour Van Rodriguez en général. Alors là, ce qui Duval a annoncé, c'est qu'il parle au Conseil des ministres, il a annoncé, en l'absence de Aniruddha Jagnat, encore une fois, vendredi dernier, alors il a annoncé qu'il voilà, je vais envoyer un nouveau amendement et pour un nouveau motion. Of concurrence. Moi, choqué, parce que ce matin, je me trouvais dans le défi plus. Moi, tu sentais qu'il y en a quelque chose comme ça. Mais là, dans le défi plus, Xavier Duval dit carré-carré, il menaçait carré-carré. Ce français, un peu bancal, mais enfin, il menaçait carré-carré dans le défi plus de ce matin. L'Assemblée régionale de Rodrigue devrait se prononcer cette semaine. Tant mieux s'ils sont favorables. Autrement, nous n'aurons pas le choix de procéder et d'aller de l'avant. Une menace directe me rappelle autres que la section 75E de la Constitution, la loi suprême du pays, les dire qu'il pourra amener la loi qui concerne Rodrigue, bien gagner le concurrence de l'Assemblée de Rodrigue. Si pas gagner le concurrence de l'Assemblée de ce qui sa section là dit la Constitution, si pas gagner le concurrence, les là, Parlement Maurice capable, reçu, Parlement Maurice capable d'imposer si il y a une majorité de deux tiers qui est imposée. Ça qu'il peut dire là. Pour une fois, il laisse ça sortir, il est sournois, Xavier Duval. En général, mais là, ça ne s'appelle pas sur la bouche dans le défi plus de ce vote. Une menace directe. Me dénonce, me condamne, ça manque de respect, ça, l'attitude du gouvernement, et en particulier de Xavier Duval, vis-à-vis la population rodriguaise.
Je demande à mon frère Rodriguez, comprend bien qu'il n'est même pas d'accord du tout avec sa manière de faire là, avec sa menace là. Il y a beaucoup de colère là, Rodriguez. Sur le fond et la façon de faire aussi vis-à-vis de la population. C'est pourquoi il est bien préférable. Combien d'élections il y en a, Rodrigue, au système actuel? Il est bien préférable. Et il y a un signe de respect pour Ban Rodriguez, qui nous a dans sa élection qui peut venir dans quelques semaines là. Nous a le système actuel. Qui ne sert à vivre combien de fois. Et puis à tête reposée après élection, à tête reposée dans le respect qui besoin il y a pour Ban Rodriguez, et à la revoir. Le système électoral à Rodrigue à tête reposée. Et sans menacer. Dernier point, c'est Chagos. Il m'a devoir revenir Chagos, puisque mercredi dernier, il y en a une réunion du comité de parlementaires. Nous sommes d'accord qui c'est qui déroulait les confidentiels. D'accord, mais il y a certaines quelque chose que la population maurice bien connaît et qui d'ailleurs finit sur outil dans la gazette, tout, tellement confidentiel. Mais il y a certaines quelque chose qui les mots de devoir confirmer à la population parce qu'il y a un sujet bien trop grave pour qu'il nous fasse les choses en catimini complètement. Alors, ce qui me confie à mes mercredis, c'est exactement ce qui m'a dit. C'est-à-dire que quand un fonctionnaire, le 9 novembre, quand un fonctionnaire des deux côtés, Inzouen, contrairement à l'impression qu'il t'a donné dans la presse locale, tout peut aller bien, faux. Comment m'a dit dire, fin un deadlock total. En anglais, il évoque sa fameuse sovereignty umbrella pour refuser de discuter de souveraineté complètement. Alors, il confirmait donc qu'il sera en Iroud avec ce bon conseiller, s'il comprend à New York, qu'il peut discuter de souveraineté. Alors, là, il a accepté pour postponer considération par l'Assemblée générale des Nations Unies de nos résolutions. Renvoie donc. Mais le 9, carré, en anglais, il vient. Alors, mon parti là, moi, mon parti, connaissez pas. Aniro Jagdat, il comprend tout travers. Ou bien, en anglais, il fait une volte-face, comme souvent je le fais. Mon parti là. Mais il est bien grave, ça. Et pour enfoncer le clou, comme dit Kozela, le 16 novembre, Anglais traite nous avec un mépris, traite Ban Chagossien, avec un mépris révoltant. Les 16, non seulement ont décidé, pas de resettlement, mais avant même la fin de l'année, ont décidé que l'accord entre États-Unis et Grande-Bretagne, qui arrive soit à expiration, soit à renouvellement à la fin décembre, j'ai fini d'hier pour renouveler 20 ans. Bon, ce qui donc il me confirmait dans sa réunion mercredi là aussi, c'est qu'avant même la réunion de sa comité parlementaire là, mercredi, avant même qu'il nous réunit, Aniro Jagnat, il demande au président de l'Assemblée générale de venir de l'avant avec nos résolutions. Pas attendre fin juin, venir de l'avant, il finit écrire, il finit demander avant qu'il ait la réunion parlementaire, quand il a l'occasion de mettre la tête ensemble, qu'est-ce qu'il nous faut faire, qu'est-ce qu'il nous pas faut faire.
Un dialogue, Tani Rodjagna, est maintenant devant les faits accomplis. Donc, il finit écrire, il finit dire, vigne de l'avant, faut, au président de l'Assemblée générale qui commence à connaître l'ambassadeur de Fidji. Et il fait à connaître aussi qui papouena une nouvelle rencontre de fonctionnaires. Si ban anglais continue refuser qu'il discute souveraineté. Mais là, nous dans une situation bien, bien grave quand nous étions là. Et dans un contexte comme ça, mercredi, l'ultime devoir mettre en garde contre ban delaying devices qui est anglais qu'américain expert pour servir. Toute qualité de delaying devices sont capables de servir. Si à tout dans le contexte quand une nouvelle administration Trump derrière la porte, moi, dit-il donc, mon devoir en tant que détail, mettre en garde contre sa banne, delaying devices. Qui nous vient faire bien attention. Et là, l'éclair, qui le préside, là, l'ambassadeur de Fidji, qui préside l'Assemblée générale des Nations Unies, il fait un rôle clé, l'éclair, il joue un rôle clé pour convaincre Anirudh Jagnauth en septembre à New York, renvoie considération de nos résolutions, et là, l'éclair qui lui pose un rôle clé. Quand Anirudh Jagnauth, Premier ministre Maurice, peut dire, pas attendre la fin juin, amène nos résolutions, non, guettez qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Mais situation bien, bien grave. Beaucoup quelque chose me ferme la bouche pour ne pas faire le jeu de ban anglais. Mais mercredi, l'ultime devoir rappelle au comité, rappelle à Anirudh Jagnauth, ban point de désaccord qui nous est même, qui nous est là, avec Anirudh Jagnauth, ban point de désaccord, la stratégie adoptée face à la Grande-Bretagne et aux États-Unis depuis dernière élection. Mon rappel, mon désaccord fondamental du MMM, mais pour ne pas faire le jeu de ban anglais, on va vous dire plus pour le moment. Mais dedans, une situation, on aurait dit, elle est bien, bien grave. Merci. On termine par un mot de sympathie avec la disparition de Fidel Castro. Nous pas proches du Parti communiste cubain, mais malgré ça, nous envoyons un message de sympathie, de solidarité, et nous saluons sa disparition. Nous exprimons nos solidarités avec le peuple de Cuba. On passe sur la parole. Je commence aux situations politiques. Oui, passe sur la parole. La police est au courant. Est-ce que la police est au courant pas déposé ou bien le courant n'est pas déposé? On ne connaît pas, mais il y a pas quelque chose qui tout le monde connaît, juste la police qui connaît. Comme on questionne à nous, depuis. Tout le monde connaît qui manière la côte ouest, il vient un passoir ces dernières années. Mon raste, à la zone sommeil casse. Et pas la police, pas la dessous, s'il vous plaît, l'ICAC. Mais pas trouvé. Excusez-moi. Nous n'en a dessous, vous combattez la vie de la drogue. Nous n'en a la police nationale. Vous connaissez qu'il a vu des chèques, ça représentait ça. Pendant des années, donc la police là-dessous, pas tout n'a rien, pas tant n'a rien, pas qu'on n'a rien.
le trafic entre Madagascar, la Réunion à travers la côte ouest. Il faut aller à l'attrape. Du monde, à l'attrape bateau. La Réunion, là, là, déboulement, là, là, la police, là-dessous, remplacée par l'ICAC. Et où il y a là. Il y en a beaucoup qui jouent, mon dieu, Franck Moutou, effrayant. Pour les noms. Oui, toujours leur situation politique en général, y compris la propre la police. Qui est-ce dans ça alors là? Qui fait bien des avec le terrorisme? Vous sentez un avisement particulier? Je dis, quand en 2001, quand en 2001, nous t'imaginons avec prévention du terrorisme, c'était, ça à l'époque, le gouvernement même, c'était sur une pression intense de ban américain et de ban occidentaux qui fait parce qu'il fait qu'il y a l'attentat d'une taveuse. Tout le monde est bouleversé, ban américain, tu wow. Donc, c'est soit une pression intense, et pas si soit riche, de par le monde, qui est une initiative, une offensive américaine intense après ce double attentat d'une taveuse et Washington. Et là, je peux venir dire si, bonne provision de la loi. C'est vrai qu'il y a une au pluriel, menace terroriste et un danger terroriste réel. Pas juste aux États-Unis et en Europe, mais de par le monde, c'est vrai. Ça m'a pas beaucoup à nous allons aussi traiter tout le monde de terroriste. Mettre tout le monde dans le même panier, mais il n'y a pas de résoudre rien, ça va. Il n'est pas difficile, on rappelle qu'il y a quelques bananes, c'est là. États-Unis, tu classes Mandela, tu classes ANC comme un dangereux terroriste. Bagaille droit, visite. Interdiction. Donc, c'est vrai qu'il y a une menace terroriste. Pas juste aux États-Unis, mais de par le monde. Y compris à Maurice, nous visons faire attention, nous visons les moyens pour protéger nous, d'accord. Mais pas exagéré. Pas sérieux la menace terroriste pour régler contre. C'est ça qui opère là voilà. C'est ça qui opère là, vous faites ça là pour régler contre. Non, on ne pas encore dire ça. Mon diao qui est un petit jelly, il a dit qu'il ne sert qu'il ça. Mon diao nous fait, oh moi je ne parle pas de même, il m'a dit. D'après moi, je ne parle pas d'un amendement, même à cause d'un amendement constitutionnel. C'est un coup là, c'est vrai, même depuis l'amendement de la Constitution, third, second, third, reading, même jour. Ah, mais ça veut dire ça. N'importe. Donc, ça, la loi là, ça dès la loi là, pas fait l'image. Nous nous détaillons, nous vous mettez, s'il est acceptable, s'il est vraiment nécessaire pour combattre le terrorisme, qui est une vraie menace. Et qui va être attrape tout non plus, pas grave. Tout le monde de terrorisme et tout problème dans le même panier du terrorisme. Donc nous pouvons étudier attentivement de nos côtés, nous pouvons demander ban l'orieuse, ban légiste et ban ONG étudier, faire la loi dans les. Vous dénoncez l'absence vous sentez qu'on a été sortir j'étais beaucoup quand nous calculons qu'il est arrivé dans sa laine, un premier ministre d'un pays indépendant, souverain, comme Maurice, ce premier ministre, elle est l'autre pays, ami, c'est vrai, mais quand même, il ne passe pas 15 jours dans sa l'autre pays, là, et il n'est même pas rencontré. Même pour une tasse d'idée, même en passant, les types pour rencontrer le premier ministre Modi, dans une conférence, Modi n'est commandé, à cause de ce qui fait les vélos, dans un. Il est énorme. Il est énorme, c'est ce qui nous fait trouver. Moi, mon tour, très, très, très fatigué. Dans le Parlement, mardi dernier, très, très, très fatigué. Oh, ça grimpe. Mais il est effrayant en même temps, hein, que parce qu'il n'aime pas nous fait tout ce qui nous fait arriver, ce qui nous fait trouver côté la police, côté la drogue, côté Rodrigue. Allez, comme ça, de l'autre côté, ça gosse.
Mais l'Américain est anglais, il avait nous plutôt anglais qu'américain. Là, le moment pour être fatigué, le moment pour être dépassé, là, mais c'est quand vous avez dit, vous avez vu pour eux? Bien écouté. Oui, bien écouté. Dans sa réunion. Ah. Il ne faut pas être docteur. Oui. Mais moi, il était dire ou non. La veille, nous disons toujours permanence publique dans le Parlement. Ah ben, à moi qui dis pas d'exil magique. L'élan humain n'est pas pour des pas suite. Enfin, au lieu de gagner ça, il vous dit nous gagner ça, c'est des rixes. Comment nous souhaiter bonne santé, mais moins frayé. Et ce qui est plus effrayant, c'est qu'il est derrière lui supposé. Et dans sa famille de Jacques-Nata, c'est qu'il est fait là. Terrible là. Calculer ses affaires, vos scalistes là, calculer ses affaires, mon riche, ça. Ça donne une raison de casse. Moi, je suis en bilan. Non, on ne va pas vous pas commenter alors là, c'est... Les chips, ça, on va vous dire. Là, alors, quand il y a une grande affaire, moi, pas de bouscule, moi, une bouscule, mon ministre, mais moi, pas de bouscule, tout le monde me met dans l'autre, dans l'autre qui est livré. C'est ça, avant d'abord, je suis rentré. L'autre qui est livré, c'était l'autre, chez Soudan, ça va pas les Soudan. Pouvez rentrer, ouvert, pas gagner les temps ouverts, qu'ils sont ouverts, pas qu'ils rentrent en temps. À celle qui me dit, ah non, moi, pas de bouscule, moi. L'autre, ah oui. Voilà, quand tu touilles un snoubi, il est à vous, lui. Dis, maman, pas de siphon sous costume. Ça, oui, il y a un costume, Premier ministre. Mais il ne m'a pas intéressé d'émigrer, lui. Il ne m'a pas intéressé. Encourage sa qualité de comportement. Là, je comprends la colère du monde. Mais il ne m'a pas allé encourage. À travers votre commentaire, votre job, vous parlez en courant de sa qualité, comportement, qui m'ont bien compris, on va dire, hein, à l'explosion de colère de Dieu. Ils m'ont bien compris, mais pas bon. Pareil, on dit à d'autres gens, hein, ça fout le Soudan là, il fait une fonction. Mais il parle joli, il parle, il travaille, il finit maintenant. Et dans les autres locales, non. Il n'est pas bon, on n'est pas d'accord avec qui que ce soit. Sa qualité de comportement, là, nous devons faire ça, tout ce qui nous capable pour que le jeu politique déroule libre dans une règle établie dans la démocratie et dans le respect. Oui, toujours l'occitation. Sinon, il y a Mauritius. Il y a Mauritius après Boscalis. Vous mais rien ne va dire qui, normalement, on ne devrait pas pour vous. Quand vous êtes capable de dire non, mais sa manière, comme on dit, à l'éclair qui finit un deal, gouvernement, au pays. Donc, vous pensez qui ça. Ça, motion of concurrence, passé, vous pensez. Mais nous, de haut, pas bon citoyen. Parce que là, c'est un deal gouvernement Maurice, gouvernement central plutôt, et OPR. Il m'a cisé comme ça. Vous ne voulez pas traiter de manière partisane comme ça. Vous voulez concilier du monde, dans le dialogue. Donc là, même s'il est passé, il n'est pas bon. Et ce qui me trouve révoltant, comme on dit, allez, là, c'est la menace carré-carré, la menace de Xavier Tival. Il dit, enfin, on a tiré ton attention ici, moi, tu connais. Pas je ne dis pas demain, je vous menace. Le gouvernement, il vient quand même d'avoir ce copie. Hein. Oui. Il revoit ce copie à la satisfaction de nos pères, pas de Rodriguez.
même ça, il n'est pas totalement satisfait, hein, satisfaction pire. C'est inscrit, c'est inscrit, c'est inscrit, il y a une crise par côté, là. Mais moi, pas trop, en France. Vous n'avez pas qu'à 50 ans, non? Non, pas de moment, je vais regarder. Vous n'avez, oui, moi, si je ne pas trop, bonne question. Dernier la gazette, c'est en date de 18 novembre. En fait, il m'a appelé dans la dernière copie. L'Assemblée régionale du mercredi 16 décembre, l'Assemblée régionale rejette des propositions de réforme proposées par le Conseil des ministres de Maurice. Il y a les mêmes comme ça, et ce texte lui-même. Il veut dire enfin, langage là moins violent qu'une semaine avant. Langage là quand même moins violent parce qu'il comme on nous connaît, moi ici moi j'ai récupéré d'autres références une semaine avant. Qui cause de nouvelles colonisations de Rodrigue et de façon totalitaire, pas autoritaire s'il vous plaît, façon totalitaire de faire du gouvernement. Il est bien vilain ça les visions là. Il est mauvais, bien mauvais. Et mon demande, pour dire à mon manteur et frère Rodriguez, pas mettre tout ma parti politique corrigée dans le même panier. Toujours aux côtés de Mme Rodriguez, Mme Rodriguez, ce qui a envie connaît, qui c'est l'autonomie, c'est nous avant tout, nous, OMMM avant tout, qui, d'une certaine manière, qui Rodriguez gagne l'autonomie bien méritée, et qui, ça à l'époque-là, c'est clair, et Antoine Prudence, qui me défend. Avec passion, il condamne la façon de faire de mal parti au gouvernement. Oui, ben nous terminons nos chagos. Alors, est-ce qu'il y a une Nations Unies? Comment? C'est quoi la forme de ces Nations Unies? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Quand on dit qu'il y a un désaccord fondamental, ça veut dire que nous tiens là notre option. Nous tiens là, mais il y a encore un là seulement. On est dans la diplomatie. Timing. Vous avez presque tendance à dire timing is everything. En diplomatie. Et à niveau de la date, on ne va pas vous dire plus que ça pour le moment, mais à niveau de la date, il ne fait pas l'erreur de timing. Depuis dernière élection, l'eau s'est dossier là. Terrible. Terrible. Donc, à moi, je n'ai pas dit mon nom de l'opinion. Franchement, il y a un comité de parlementaires. Est-ce qu'il est nécessaire? Alors qu'il est de dehors, le Premier ministre, il fait convoque. Le Premier ministre actuel, il fait convoque une réunion du comité parlementaire. On dit, allez-moi avant ça. Mercredi même. Il y a des bravo pour ça. Mais est-ce qu'il est nécessaire? Il finit prendre une décision. Il finit écrire à président de l'Assemblée générale pour dire faire une manière amène nos résolutions, pas attendre la fin juin tout de suite. Il finit devant le comité parlementaire, il finit devant le fait. Elle fait accompli. C'est l'influence britannique, je vais être Maurice, le moment de faire compliment. Le comité parlementaire, le moment de faire compliment. Voilà sur le délégué que vous voulez, monsieur. Ben, on ne peut pas prévoir, franchement. On ne peut pas prévoir. Moi, j'espérais votre emploi, mais on ne peut pas prévoir une grande mobilisation des bandes déléguées, ni un grand débat. On ne peut pas prévoir, si on gagne trop, on est bien content. Qui fait? On ne peut pas prévoir une grande mobilisation de bandes déléguées et beaucoup de débats parce que nous faisons du travail. Nous ne passons pas une semaine au bureau politique. Nous travaillons pour fine-tune
après nous dans le comité central, nous référons le même exercice. Donc ce qui nous fait, c'est que la version de nouvelle constitution, il y a un travail de beaucoup de consultations, de beaucoup de réflexions, de beaucoup de discussions. Et là, moi, je pensais qu'il ne m'a pas gagné trop de dire que la masse déléguée fait confiance à la direction actuelle. Si mon gars a raison, tant mieux. Moi, je suis content de trouver une mobilisation, etc. Dans l'été tantôt. Et bon, tantôt, discours pour tantôt, mais c'est vraiment un texte admirable. C'est tout le programme, updated programme, programme mis à jour, actualisé, mais il est merveilleux. Ça m'a causé tantôt. Pensez-vous pas comme une lettre à la poste? C'est une enveloppe, ça vous dit ça. Non, moi, je pas les préjugés. Peut-être qu'il m'a gagné tôt, quand on dit qu'il va falloir une grande mobilisation, pour une raison qu'il vous dit. Peut-être qu'il m'a gagné tôt, comme on dit qu'il va falloir gagner donc, beaucoup de discussions. Mais moi, j'espérais qu'il me trompe, moi. OK. Merci. À la prochaine.